Déjà, c'est quoi la technique? C'est Mehdi, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la guillotine et à partir de là, il va venir faire un triangle de bras que sur la tête. Comment il va faire? Il va faire glisser ses bras, venir au-dessus, fermer là. D'accord? Maintenant, on va voir comment ne pas se faire soumettre là-dessus, au sol. Attends, peut-être on peut voir la base debout. Hop, on prend le guillotine. Je sais, au moment où il va me faire ça, c'est juste à venir là-bas. Il ne pourra pas fermer son triangle de bras. Et là, c'est ce qui s'est passé avec lui. Donc, quand j'étais au sol, il prend la main. Voilà. Il prend la guillotine. Au moment où il change, en fait, je vais m'allonger, je le pousse vers l'avant pour le forcer à mettre sa main au sol. Même s'il ne la met pas, c'est pas grave. Même s'il verrouille, je suis déjà. Il est déjà vers l'avant et ici il n'a pas de force pour serrer. Et en plus de ça, moi je suis sur le dos et au moment où je vais revenir à quatre pattes, donc je vais aller chercher son dos directement et ça va sortir. En fait, il ne peut pas faire quand je fais ça. Maintenant, si jamais il a déjà verrouillé, mets-toi sur le dos. Vous aurez mal le lendemain quand même. Mais... Et là, voilà, super. Quelqu'un qui a déjà verrouillé, comment je fais? En fait, il faut que je le mette dans une position où il n'a pas de force. La position, vas-y, tu peux le serrer un petit peu, voilà. La position pour qu'il n'ait pas de force, déjà pour qu'il ait de la force, il faut qu'il se mette de profil déjà. Voilà, là il va avoir plus de force, au bout d'un moment, je vais me mettre comme ça, c'est fini. Donc moi, pour éviter ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attraper sa jambe, il serre un tout petit peu plus, ouais, pour un moment. Ouais. Tu lâches pas, surtout quand je vais faire mon truc. Non. D'ici, qu'est-ce que je vais faire? Allez, toi. Je vais le mettre sur ses épaules. Et comme je vais le mettre sur ses épaules, il aura moins de force pour serrer. Si jamais il a encore de la force, je le mets bien sur sa tête là. Comme la sortie du triangle. Et je reste là, jusqu'à ce qu'il lâche. Et ma tête, elle sort. En fait, il n'y a pas de sortie de genre... soit j'arrive à sortir direct dès le début quand il est en train de la prendre, s'il l'a déjà pris, c'est tellement... Sérieux? Non, mais le truc, c'est que toi, t'as pas de cheveux, tu glisses. Lui, il a des cheveux, là, il arrive pas à sortir. J'ai pas de cheveux, moi. Non, t'arrives bien à sortir. Lui, il arrive pas avec ses cheveux. Tu vois, il est bloqué, il peut pas. Non, regarde bien. Il a dit que t'as pas de cheveux. Ouais, mais j'ai entendu ça. Regarde là, tu prends. Viens debout déjà. Du lourd. Ah non, je prends la guillotine. Bon, au moment où je vais changer, tu vas aller coller ton épaule ici. Là. Ouais, super. Je peux pas la prendre. Là, au moment où j'inverse, même si je le fais vite, maintenant au sol, on va faire doucement, non, là d'abord, pour la guillotine, au moment où je vais inverser ici, ouais, exactement. Si ça ne suffit pas, tu t'allonges. Tu mets le temps, tu mets le 100 kg. Okay. Le 100 kg, c'est toi qui le mets, qui te mets en dessous. Moi de dehors, ouais. Non, dans l'autre sens, là tu vas t'arracher la tête. Non, non plus, mets tes épaules au sol. Voilà. Ah. Et tu mets la tête vers l'avant. Ok. Et là, quand tu remontes, tu vas chercher mon dos. Non, 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 dans l'autre sens. Oui. T'as vu, okay. C'est sorti. Ok. Comme il se trompe à chaque fois de côté. Il faut surtout pas tromper de côté, ouais. Pas de côté. Bah non, mais c'est pour ça. T'inquiète pas. Hein. Chaque fois, il dort. mais attends. Il a envie, c'est bien. Chaque fois, il sort de n'importe quel côté. Par contre, ta tête, elle est trop molle. Ta tête, elle est molle. Jawad. L'animal. Faut contracter ici. T'es mou, Jawad. Réveille-toi. Ouais. Voilà. Maintenant, si t'es déjà trop fort, si t'es déjà en dessous, pourquoi il est possible? Mets sur le dos. J'ai pris la guillotine. J'ai changé. Là. Par contre, d'abord sur le dos. Remets-toi d'abord sur le dos. Là, avec cette main-là, t'as touché mon dos. Non, de l'autre côté. Tu remontes dans mon dos. Je remonte dans mon dos. Je suis loin derrière moi. Ok. Ouais. Ok. J'enlève ta force et puis après je pars. Exactement. En fait, lui, il est plus souvent sur.